longtemps que j'avais pas bu ça. Moi, ouais, j'avoue, j'ai un peu chargé. Bon, et alors ? Tu vas venir, cet été ? Non, franchement, je pense que je vais pas pouvoir. Non, j'ai plein de boulot en ce moment. Ah, je sais que je dis ça souvent, mais là, vraiment... Non, mais je comprends. Puis c'est sûr, hein, c'est pas à côté de chez toi. Bah bon, j'avoue, j'ai pas très envie d'y aller. C'est-à-dire ? Tu veux pas me voir ? Mais non, c'est pas ça. Mais c'est juste l'ambiance de tout ça, là... Prendre des nouvelles, faire bonne figure... Non, là, j'ai vraiment pas la tête à ça. Ouais, je vois ça. Et pourtant, tu continues à aller faire la fête, et puis ça a pas l'air de te déranger, hein. Tu pourrais faire un effort pour tes potes, quand même. Enfin, idéalise pas trop ma vie, c'est pas tous les jours tout rose non plus. Ah, j'idéalise rien du tout. Je sais pas pourquoi tu te prends la tête, là, à organiser toute cette soirée pour elle. Mais je me prends pas la tête. Bah, aussi, j'aime bien faire les choses, et elle me le rend pas, c'est tout. C'est vrai, si j'avais pas pris les choses en main, ce serait n'importe quoi cette soirée. Bon, c'est dans son tempérament, je veux bien, mais... Je suis sa pote, hein, je suis pas sa mère. Mais y a personne qui t'oblige, hein. Après, on sait que t'aimes bien faire. Et puis faire bien. Mais t'es pas obligé. Enfin, c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Enfin, que je t'aime. Parce que les autres, je sais pas. Ça va, je te charrie, personne m'a rien dit. Ils ont peut-être peur. Ah, c'est sûr, pour toi, l'insouciance est facile, hein. Tu peux changer de groupe. Tu suis tes envies. C'est bien pour toi, hein. Et les autres, tu y as pensé ? Parce que tu crois que j'ai pas assez pensé aux autres ? Pour voir comment ça finit, merci bien. Tu parles d'Arthur. À un moment, faut tourner la page. Par contre, si j'ai un petit conseil à te donner, c'est de lâcher du lest. Et puis de penser à toi un peu. C'est trop facile de dire ça. Je m'occupe de tout, tout le temps. Sans jamais rien demander. Et tout ça pourquoi ? Pour rien. Non, toi, tu peux disparaître, je sais. Comme ça, sans rien dire. Moi, pas. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas parce que tu disparais de la vie de quelqu'un que tu l'aimes plus. Et puis, à force de s'accrocher à une amitié d'enfance, bah... peut-être passer à côté d'une relation d'adulte. Tandis que si on accepte d'avoir changé au lieu de faire semblant que tout est resté pareil, eh bien on peut peut-être réapprendre à se connaître. Tu dis pas que des conneries en fait. Hein. Je pense qu'à force de pas prendre le temps de comprendre qui on a en face de nous, on finit par croire qu'il fait mieux. Enfin, qu'il a mieux. Ah ouais, tu dis pas que des conneries des fois.